sous tes fureurs, Seigneur, nos jours s'enfuient. Nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Monseigneur Hubert Constant a célébré cette année ses 80 ans à l'hôpital. C'était le 18 septembre dernier. Il est mort le 23 septembre à l'hôpital du Canapé Vert, où il venait d'être admis à la suite d'un malaise cardiaque persistant qui a duré environ 2 semaines. Il était entré à l'hôpital dans un premier temps le samedi 10 septembre et en était sorti le mercredi 21 septembre avec la recommandation du médecin de le faire voyager à l'étranger pour une opération délicate au niveau d'une artère qui était bouchée. Entre-temps, il a pris logement chez nous, à notre maison provinciale à Avenue N, entouré de ses confrères oblats et de tout le conseil provincial qui était en réunion pendant qu'on faisait des démarches pour le faire évacuer à l'étranger en vue de son opération. Après une brève visite médicale dans l'après-midi du 22 septembre, il est revenu à la maison provinciale, l'air fatigué et un peu essoufflé. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Devant le malaise persistant et l'allure inquiétante de son cas, nous avons décidé de le reconduire à l'hôpital du Canapé Vert très tôt le matin du 23 septembre. C'est là que peu de temps après, il a rendu l'âme. En parlant en tant que son confrère oblat, je peux vous dire, à titre de témoignage, qu'avec sa mort, l'Église a perdu l'un de ses dignes fils, l'un de ses dignes défenseurs. Notre congrégation a perdu un digne fils, un amoureux de Saint-Eugène et de Jésus-Christ, qui a essayé de traduire dans le quotidien de la vie, malgré ses limites humaines, les exigences du charisme de notre famille religieuse. Monseigneur Hubert Constant était un fidèle serviteur qui a aimé sa communauté religieuse, qui a aimé l'Église en Haïti et les fidèles qui l'accompagnaient sur le chemin de la foi. Il retenait du charisme oblat l'amour et le service des pauvres, la fidélité à l'engagement pris en présence de l'Église et des fidèles, fidélité à la parole de Dieu, fidélité à la mission reçue et vécue selon le charisme de la congrégation des missionnaires oblats. Pierre-Nicolas Hubert Constant, de son vrai nom, était né à Tempérin le 18 septembre 1931, fils légitime de Paul et de Jeanne Constant. Il a fait ses études primaires à l'école des frères de l'instruction chrétienne de Tempérin, de 1937 à 1944. Il a fait ses études secondaires, d'abord au lycée des Cailles, en 1944 et 1945, puis au petit séminaire des Oblats de Masno à Tempérin, de 1945 à 1951. Une fois ses études secondaires terminées, il a décidé de continuer ses études au Juniorat des Oblats à Tempérin en vue du sacerdoce dans le cadre de la vie religieuse oblate. Là, au petit séminaire, il a étudié la philosophie de 1951 à 1954. Il a alors voyagé aux États-Unis où il a pris l'habit religieux au noviciat des Oblats à Colebrook dans le New Hampshire le 21 août 1954. Il a prononcé ses premiers vœux le 22 août 1955, toujours à Colebrook. De là, il est passé en éthique dans le Massachusetts où il a étudié la théologie au Scholastica des Oblats de septembre 1955 à juin 1959. Entre-temps, il a reçu la tonsure le 7 février 1956 et les ordres mineurs le 8 février 1956. Il a prononcé ses vœux perpétuels à Yarmouth, dans le Maine, le 22 août 1958. Il a reçu le sous-diaconat à Yarmouth, des mains de Mgr Fini, le 24 août 1958.
Il a été ordonné diacre par Mgr Louis Collignon le 8 septembre 1958. Et enfin, il a été ordonné prêtre par Mgr Louis Collignon le 15 septembre 1958. Une fois sa formation première terminée, il est rentré en Haïti le 18 juillet 1959 pour une année. Il a reçu sa première obédience pour Haïti et a été nommé professeur au petit séminaire de Masno à Camperin le 1er mai 1960. Il y est resté jusqu'en 1965. Puis il a été envoyé à Ottawa pour une année d'études avant de se rendre à Paris où il a fait une licence en lettres et une licence en théologie de septembre 1965 à septembre 1968. Avant même son retour en Haïti, il a été nommé professeur et deuxième assesseur au petit séminaire de Masno à Camperin le 8 août 1968. Il y est resté jusqu'au début des années 70, quand il a été envoyé au CAI pour fonder le Collège Saint-Jean avec deux autres confrères oblats, un Belge et un Américain. De 1970 à 1981, date à laquelle il a été nommé provincial des Oblats en Haïti, il a contribué à former plusieurs générations de jeunes qu'il a marqués de façon extraordinaire et qui aujourd'hui encore gardent un très bon souvenir de ce directeur-professeur à la fois compétent et exigeant. Pour ses élèves, c'était le maître indépassable qui les incitait à regarder vers les sommets, à rechercher l'excellence. Il souhaitait pour eux le meilleur, et le meilleur a un prix, il s'appelle l'effort. Avec le directeur professeur Hubert Constant, il fallait s'astreindre donc à l'effort. L'effort continu, toujours l'effort, visé à l'excellence. Il avait le don d'un verbe sûr qui charmait ses élèves et lui valait du respect auprès d'eux. À chaque cours, il sortait une nouveauté et personne ne voulait rater un de ses cours. Au terme de son mandat comme premier provincial haïtien des missionnaires Oblats en Haïti, Mgr Hubert a été nommé supérieur du Scolastica de Turjo le 6 janvier 1988. Trois ans plus tard, le 31 janvier 1991, il a été nommé évêque fondateur du diocèse de Fort-Liberté. Enfin, pour couronner sa trajectoire, il a été nommé archevêque du Cap-Haïtien le 5 novembre 2003, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa retraite le 1er mai 2008. Dans le contexte de la vie religieuse oblate, nous gardons de Mgr Hubert le souvenir d'un confrère qui aimait l'Église et la congrégation des missionnaires oblats. Il recherchait l'excellence aussi dans la vie religieuse pour lui-même et pour ses confrères. Et cela lui a valu parfois l'étiquette d'un confrère exigeant sur le plan des principes et de la compétence. Sur le plan humain, c'était un homme galant, propre à l'excès, bon vivant qui aimait la bonne table, qui aimait célébrer la vie et fêter en communauté. Il était aussi généreux et très humain. Il partageait avec les autres, surtout les plus pauvres, tout ce qu'il avait, au point de se priver lui-même. Il a combattu le bon combat. Il a tenu jusqu'au bout le combat de la foi, comme a dit saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Sa famille religieuse et sa famille naturelle sont fiers de son parcours. Recommandons son âme à Dieu et prions pour lui. Son Rédempteur lui rendra le centuple de ce qu'il a donné pendant sa vie au service de la mission de l'Église et de la congrégation des missionnaires oblats. Il le ressuscitera au dernier jour. C'est là notre espérance, c'est là notre foi.